Alegris de Santo Antoine, a la cité de Piracaia, a Brasília. E je fais une composition avec une forte centralité de la personne de Christ, avec la présence des quatre évangélistes. J'ai réalisé aussi l'image de Saint Antoine e à droite l'image de Marie Notre-Dame. Cette composition fait les mémoires de la déesse dans l'iconographie byzantine. J'ai fait à gauche une symbolisation de l'Eucharistie avec sept compositions de symboles. Et j'ai réalisé aussi la présence de poissons qui fait les mémoires de Simon de Saint-Antoine à les poissons. J'ai fait aussi une composition de géométrie qui fait une composition de le fond de toutes les compositions. Nous avons à gauche, depuis de cette portail, la présence de la chapelle de Saint-Issime, qui tient le tabernacle, avec la présence de 10 anges. Je crois que la sacrée tient une mission de communiquer une forte centralité. E la sacrée de la tradition chrétienne tient une forte centralité à la image de Christ, que il est une personne avec des deux natures, l'humaine et le divin aussi. La sacrée fait une mémoire de l'incarnation de Christ avec nous et la présence avec toutes les communautés chrétiennes. Christ tient les paroles de Dieu, Christ il est les paroles de Dieu, et tient deux lettres grecques, l'alpha et l'oméga. Il fait une mention à toutes les traditions du paléochristianisme et de l'art byzantin aussi. La sacrée, il est aussi une mission sociale à toutes les communautés, parce que la sacrée fait une composition qui a fait le mémoire de la beauté divine et elle est capable de renforcer notre sensibilité à la composition dans les yeux avec un nouveau temps, un nouveau espace avec toutes les communautés qui a réunis en cet espace. Je suis très heureux de faire ce travail et merci pour vous pour faire l'assistance de cette documentation qui s'est fait réaliser aussi. Merci pour vous, au revoir et après autre jour.